Bonsoir. Salut. Beau réflexe. Pourquoi Thylacine ? Il semble un Thylacine, c'est un vieil animal disparu aujourd'hui. Moi, ça me plaisait bien de donner une deuxième vie totalement différente, musicale, à un mot qui sinon était voué à disparaître. Quoi. Donc tu t'appelles Rézé comme la ville de Rézé ? Exactement, Rézé même. Si on hein, peut qui est... Ah oui ? Ouais. C'est dans les Pays de Loire ? Oui. Tu es angevin ? Je suis angevin, ouais. Ça vient de chez moi. Okay. Alors, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une école musicale ? Ouais, il est beaucoup plus rock maintenant. Ah oui ? Et d'ailleurs, moi, quand j'ai grandi là-bas, je faisais un peu plus de rock. J'ai fait aussi beaucoup de jazz, en fait. C'est la musique au saxophone, donc... Tu as appris le saxophone, t'es un véritable instrumentiste, ce qui est assez rare dans l'électro... En fait, moi, ce que j'aime dans le saxophone, c'est que c'est un instrument que je maîtrise aujourd'hui, donc je peux, à un moment donné, fermer les yeux, me lâcher, notamment au concert, partir pendant 5-10 minutes en improvisation totale, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça soit vivant, en fait, quoi. Quand t'improvises, est-ce que la vidéo suit ? Est-ce que tu as une vidéo jockey ? Ouais, alors en fait, j'ai créé tout un système, là, dernièrement, qui me permet où en fait chaque instrument que je vais envoyer avec mes doigts va être connecté à une vidéo en fait. Si tu joues pendant une heure, et ben la vidéo va toujours de l'image. Ouais, il y aura toujours de l'image en fait. Ton premier album, tu l'avais enregistré dans le Transsibérien. Je me suis rendu compte que j'étais plus créatif quand j'étais pas enfermé. Quand j'étais dans le Transsibérien, c'était au bord du lac Baïkal. Je suis resté chez un chaman. J'ai passé 2 jours dans sa yourte à discuter avec lui. Donc j'ai enregistré des chants qu'il faisait, des choses comme ça. Là récemment, je suis reparti sur un autre voyage. C'était en Argentine, en Amérique latine. Et donc c'est pareil. Oui, c'est Rhodes. Voilà. Cette fois-ci, j'ai construit en fait une sorte de studio dans une vieille caravane. Les caravanes en aluminium avec les bords arrondis. Et il paraît que tu l'as équipé avec des panneaux solaires. J'ai transformé ça pour en faire un vrai studio. C'est l'endroit où je compose aujourd'hui. Une fois que tu t'as bricolé ton studio dans cette très belle caravane, pourquoi tu l'emmènes en Argentine ? Parce que c'est une recherche de l'inconnu un peu. Je me suis mis dans des endroits au milieu du désert, à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est des endroits hyper particuliers. Donc forcément, ça ramène une intention artistique très forte et une inspiration assez particulière. Ouais. Au fond, tu t'es transformé en chasseur de sons. Quand un endroit est très fort et marqué comme ça par une sonorité, c'est important pour moi de le capter et de le lier à la musique que je suis en train de créer. On discute, mais moi je vous propose de l'écouter, ce titre, The Road par exemple, non ? Très bien, ouais. Tu vas partir en tournée là, tu prends ta caravane, ouais, j'imagine. Non, ce serait pas mal, mais ça fait beaucoup d'organisation. Ouais. Et tu vas aller où, pourquoi pas en Tasmanie ? Ouais, en Tasmanie, ça serait chouette, retrouver un peu les origines du Thylacine, quoi. Ouais.